dans la station. Ça, c'est cool. Et voilà, donc pas de souci, nous c'est notre habituel de la route, canal de dégagement, on va en général sur le 19 bis, là pour ceux qui en font équipés, et puis sinon le 10, voilà. Allez, la bonne journée, Colibri, au plaisir, merci pour le petit contact. Et 73 de Dandy 33 sur la Gironde. Oui, Bandy 33, je m'excuse de 6 ans. Sur un rond-point, je vais me faire presse, mais je reprends après. C'est Bandy ou c'est Dundee? J'ai l'impression que c'était Dundee. Oui, affirmatif, les bonnes 73 à vous tous de la part de Dandy 33, là, sur le sud-ouest, sur la Gironde, à côté de Saint-Émilion en fixe.
Ok, pas de souci. Là, c'est l'opérateur Vincent. C'est la station 666 et le call site EDX 14 Roméo Charlie 666, là, voilà. En 1000 pattes mobiles, là, sur les Alpes-Maritimes. Là, retour micro, Denis. Ah ben putain, ça passe fort là de mon côté. Hein. Là tout à l'heure, je crois qu'il m'a même fait des pointes à ouais, Santiago 7, Santiago 8. Hein. Là au dernier passage, ouais, c'était du Santiago 7. Hein. Ça passe vraiment fort. Hein. Ah oui, je sais bien. Hein. Ça fait quelques semaines qu'on a une grosse famille. Donc, c'est tout ça, quasiment, tout le monde dit, je suis arrivé là. Voilà, et j'ai fait une petite parade là sur Saint-Omer il y a début de semaine dernière. Là, pour, ouais, affirmatif, ouais, début semaine dernière, il y a aussi le plus en USB, le Québec qui est passé également. Ah oui, absolument. Ah, c'est pareil, hein, c'est nous, franchement, là, moi j'arrête pas, hein, même en Alpha Mike, hein, j'ai fait la 233 la semaine dernière, le matin en partant au bout à 5h du mat, j'ai fait la 131, enfin beaucoup de pays de l'Est, là, en Alpha Mike, tous les matins. Hein. Ah, j'ai entendu un break, c'est bon ça. Ouais, j'ai entendu un break, j'imagine qu'il est peut-être de ton côté, on va le laisser rentrer. Alors j'ai entendu Kilo Mike, les 73, la station Kilo Mike, 3 petits points, de la part de 14, Kilo Mike, 33-01, opérateur Rémi, Dandy 33 sur la Gironde. Ok Nicolas, eh ben tu passes beaucoup plus faible que la station de Nice. Hachi trois coups. Oui, la station, les 73 de Dandy 33 sur Sainte-Colombe à côté de Saint-Émilion. Les Alpes de Haute-Provence, eh bien là aussi, hein, ça passe pas trop mal de mon côté. C'est un peu plus petit que la station là, de Nice, mais ça passe quand même là de mon côté là sur la Gironde. Ah, c'est formidable, là. Il y a une plusieurs pompes à gâteau. Aujourd'hui, tous les chiffres de taxi 04 l'ancien de la procureure. Ouais, ça arrive de tous les côtés parce que j'entends d'autres stations aussi là qui lancent appel là derrière. Oui, voilà, ok, ouais, voilà, c'est bon. Oui, affirmatif, je te copie toujours, il n'y a pas de problème. Ah, tu as pris le micro en même temps qu'il y a eu un artefact sur la fréquence. Il y a eu un joli bruit plus ta modulation derrière, donc je n'ai rien compris, allez, désolé. Un chie trois coups. Voilà, c'est parce que là en même temps je suis en train de faire une petite vidéo. J'ai commencé avec le téléphone, j'ai vite basculé là sur la caméra pour immortaliser ça quoi. Ah écoute, vas-y, hein, pas de soucis, vas-y. Voilà, dernier passage signal de 9, radio 5. Donc sur un petit peu au-dessus de Mougins dans les Alpes-Maritimes, je suis en 1000 pattes mobiles, évidemment. Je suis l'opérateur Vincent, 14 Romeo Charlie 666 ou 666 sur les normaux en Alphamac. Voilà, retour micro. Ok, merci. Ouais, hop, il y a quelqu'un qui a repris le micro derrière. Les 73, la station. Effectivement,
Oui, affirmatif, le canal 19, il faut qu'il reste QRO, hein. C'est le canal d'appel, d'accord, mais c'est avant tout le canal des routiers où tout le monde se rencontre. Voilà, et puis, bon, c'est vrai que quand on reste dessus, c'est parce qu'on n'a rien de précis à dire, rien de confidentiel, enfin, confidentiel, non, c'est un bien grand mot, mais rien de bien sérieux à dire, voilà, et puis ça permet d'occuper la fréquence, de montrer à tous ceux qui disent qu'il n'y a plus personne là-dessus que, bah si, on est bien là, on est vraiment bien là. Affirmatif, là tu as bien décrit, oui, tout à fait, oui, les 73 assassins que j'ai entendu derrière de la part de Dandy 33 sur à côté de Saint-Émilion, sud-ouest France. Oui, oui, non, mais tout à fait, hein, voilà, c'est ça. Voilà, c'est vrai que la plupart des gens disent il n'y a plus personne là-dessus, il n'y a plus personne là-dessus. Mais en général, ceux qui disent ça restent, ne prennent pas le micro. Donc évidemment, quand on ne prend pas le micro, ça fait beaucoup moins de bavard. Donc il en revient à nous tous, hein, d'occuper la fréquence maximum, de montrer qu'on est là. Et la preuve, là, on a la propag qui est là et on s'aperçoit qu'il y a énormément de monde sur le 19. Hein, puisque là, j'entends du monde là, de partout. C'est pas très épais sur mon QTH parce qu'en même temps, je suis dans un trou. Mais ça arrive de partout quand même. Hein. Attention, Denis, Stéphane qui t'appelle. Oui, Stéphane, les 73. Les 73 du Var, les 73 du Var, les bons chiffres. Il faut le faire revivre, ce canal 19. Ah oui, affirmatif, disons, c'est la même modulation que la belette qui est sur Bordeaux. Attends, bouge pas, bouge pas. Ouais, je disais donc, ouais, oh, t'es en train de rouler. Je disais donc que c'est la même modulation que la station La Belette qui est sur Bordeaux. Ah, Firmatouille, c'est toute l'installation de Vincent, sûrement Vincent dans le Var, que t'as dû copier aussi, sûrement, qui module pas mal. C'est son ancien matériel que je viens de monter là. Ok, d'accord. Non, tu es sur le Var? D'accord, ok. Non, ouais, il y a une station qui est sur Bordeaux, un mille pattes qui est sur Bordeaux, qui a exactement la même modulation. Hachi. Ah, ferme la station là, ferme. Attends, il y a la station de Nice aussi là qui est sur le canal. Je vais lui retourner le micro car c'est lui qui était là quand même avant que moi je prenne le micro. Je n'aurais pas lui monopoliser non plus le canal. J'étais en train de... Je laissais le micro justement à la station de Nice, là, qui était en train de parler à l'instant. Voilà, c'est pour ça que là, j'ai pas repris aussitôt Hachi 3 coups. Voilà, tout à fait. Donc, on va être en train de se tenir à une dernière passage, là, tu vas faire une pointe à 9-2-20. Super, voilà, pas de souci. Radio naturelle, 5 étoiles, voilà, on est bien. Voilà, bonne journée à toi et à bientôt. Ok, ouais, merci pour le report. Ben moi c'est pareil, hein, de mon côté là, c'est un excellent report, une bonne radio 4-5. Le signal navigue, c'est normal, tu es en train de rouler. L'autre station, ok, la bonne route à toi. Ça y est, c'est en train de prendre.
moi, ça y est, j'ai collecté ses clips et tout, qu'un peu, là, c'est parti. Hein. Il commence à y avoir pas mal de monde, mine de rien. Le confinement, il veut aussi faire quelque chose. J'ouvre les cartons dans les greniers, dans les caves et tout, et c'est reparti. Bah, c'est très bien. Il y a 73 personnes, du coup, là, si tu veux essayer de copier Dundee, là. Et donc, on va profiter un petit peu, voilà, retour micro. Là, au dernier passage, toi, tu me fais un signal, tu m'arrives avec un signal de 3. Hein. Donc, ça a baissé un peu de mon côté. La station, je l'ai entendu très, très QRP, là, de mon côté. Un signal de 1, radio de 2. Mais je lui envoie les bonnes 113-51 à lui, de la part de Dandy 33, à côté de Saint-Émilion, la Gironde. C'est assez compliqué là de mon côté. Bon, j'arrive à le sortir de temps en temps. Là, j'ai la caméra qui est braquée là sur le poste. Bien souvent, on entend mieux dessus, donc je réécouterai après là pour ce que ça donne. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu compliqué de mon côté. Hein. Ouais, bah oui, c'est pas facile. Hein. Je disais là tout à l'heure, une autre station là d'Angoulême, là, le matin, il y a des ouvertures avec les pays de l'Est, hein, la 133, la 131, 233, pardon. Il y a des ouvertures en Alsace ce matin, faut y aller, hein. 5h, 6h du matin, là, ça passe plein peu. Hein. Voilà, là, je fais des QSO tous les matins avec ces gens-là. Très intéressant, voilà. J'ai entendu une phrase sur la station Fischer. Là. On dirait que c'est parti en cacahuète là de mon côté. Ouais.
Ouais, je suis en train de vous perdre des stations. Les 73 à vous tous, si de votre côté vous arrivez encore à m'entendre, et bonne route à vous. Bon, même si c'est pas un poste de CB que j'ai là, que vous voyez là devant la caméra, voilà l'avantage d'avoir un multimode. Là, on a commencé à perdre justement là en AM, ok. Et bien on va aller sur toute fréquence, un peu plus haute. Et là, ça repasse à nouveau. Okay, donc 59 hein, au plus haut de la, du passage. Hein. Par contre, pour le décalage, je préfère vous le dire, hein, vous avez 200 Hz hein, de mon côté, hein, 200 Hz de décalage en positif. Hein. Alors, je ne sais pas avec quoi vous trafiquez, mais je préfère vous le dire que vous soyez au courant de votre côté si personne ne vous l'avait dit auparavant. De mon côté, les conditions de trafic, Michel, c'est une président Himalaya posée. La selle peut aller à 20 cm d'étuile. Le transfert, c'est un Yaesu ST991 Alpha. J'ai 90 watts à peu près en modulation là. Et le micro, c'est le M100 de chez Yaesu. Voilà, Michel, retour. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en fixe sur le sud-est de France, le département de la Gironde. Et la fréquence Midor. CQO, CQO, CQDX, appel sur la fréquence monitor des kilomètres pour 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 qui lance appel depuis le sud-ouest de France sur la fréquence monitor des kilomètres. CQO, CQO, CQDX, appel sur la fréquence monitor kilomètres pour 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le sud-ouest de France. Ah oui, le Roger MIP. Pas grave. Regarde là, donc c'est entre Toulon et Fréjus. Hein. Voilà, je suis à 50 km de Toulon ou à 50 km de, à vol d'oiseau de Saint-Tropez pour te donner un ordre d'idée. Voilà. Retour Jean-Claude. Oh, comme quoi on achève, ça passe vraiment partout. Puisque de leur côté, là, tout le sud-est, eh bien, je suis complètement caché là, par une colline. Donc là, ouais, ça passe au-dessus pour m'atterrir sur la tête. Chie trois coups.
ça veut pas dire un petit peu, mais alors c'est des trappes qui m'aiment, là, c'est des trappes qui m'aiment. Ok, bah oui, pourtant il y a un circuit, oui, tiens, il y a un circuit automobile. Il y a beaucoup de belles voitures, des monégasques qui viennent tout faire tourner leur Ferrari, leur Lamborghini, et tout ce qui s'enfuit, Porsche et tout ce qui s'enfuit. Ouais, bah vraiment, il y a pas mal de voitures françaises aussi, hein. De plaques françaises, on va dire, parce que les voitures, c'est pas les françaises, qui viennent sur le circuit du Luc, là, ouais, on voit des belles passées. Je suis pas loin d'ailleurs du circuit, hein. Je suis à l'extérieur de la ville, donc je suis pas très loin du circuit. Malheureusement, quand le vent il tourne, je m'en prends plein les oreilles. Ah, oui, Nogaro, bah écoute, ça ne dit rien non plus. Je crois que dans le 30, j'en ai eu très peu de personnes dans le 30, enfin, je revérifie sur mes calepins, mais dans le département 30, j'en ai eu très très peu, hein, de stations. Je sais pas si vous êtes nombreux, mais je crois que tu dois être le premier ou le deuxième, tout cassé. Mais le 30, je me rappelle pas de l'avoir fait très 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 souvent. Voilà. Par contre, au retour, est-ce que vous avez votre indicatif? Je ne l'ai pas noté. Aussi étonnant, la propaguela, mais personne n'est présent sur le 555. Pourtant, la propaguela. Oh, vu comment ça navigue, ils sont loin. Vu l'accent, ça vient de la Provence. Mais il m'a expliqué son problème d'œil. Ah, c'est pas rigolo, hein, je sais ce que c'est. Hein. Là, ça a pu retomber. Alors, quand la propaguela, on remarque qu'en fin de compte, le son est plus clair. Ouais, le son est plus clair en AM qu'en FM. Alors que la FM est censée être plus propre que la AM. Oui, ça. C'est un accent provençal, voilà, ça. Voilà, ma petite fille, elle n'a pas été traumatisée à l'école. Elle n'a jamais porté le masque, elle a toujours été à la maison ou autour de la maison. Là, pour qu'ils ont. Oui, là on voit la différence. Je m'en vais de là.
Là, on a bien vu la différence entre le l'AM et la FM. Patrick, à propos du nerf optique là, qui dévie à droite, mais le sien il dévie pas à droite, hein, le nerf optique d'Albin, il dévie à l'extrême droite. Ah si, je vous le dis. Ça repasse encore.